les Camerounaises s'entretuent, il y a trop la haine entre nous. L'histoire de Bobolo. J'ai vu Lolita hier soir. Lolita a pris l'affaire de Bobolo. Je n'ai pas compris où c'était toujours l'histoire du mariage. Alors que c'est son frère qui m'avait fait mauvais. C'est Guy Manu qui m'a fait du mal. Est-ce que je devais subir ça de Lolita, qui est une femme comme moi, qui a été mariée? Lolita connaît bien l'histoire de mon mariage. Elle est venue m'attaquer sur Internet avec une violence. Je n'ai pas compris. Une femme comme moi, son frère m'a fait du mal. Au lieu de me protéger, c'est moi qu'elle a exposé. Je l'ai vu hier soir. Tellement les Camerounaises m'ont fait du mal que je n'ai même plus de sentiments. Je ne me contrôle plus mon corps. Celle qui va s'excuser, je vais l'excuser. C'est trop de haine. C'est trop de haine. Quand Lolita m'a insulté des années et des années, jusqu'à dire que je ne peux pas revenir en France, aller injecter Francis pour qu'on me colle tous les problèmes des Bobolo, alors que je n'ai même pas pris un centime. Est-ce qu'elle savait qu'on va se revoir hier? Belfort, c'est mon fief, hein? Belfort, c'est là où moi je vis. Elle était dans mon fief hier. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec les Camerounaises que vous voulez dénigrer les autres, vous protéger les autres? Voilà donc que j'ai fait la paix avec Lolita parce que la haine ne sert à rien. On ne fait rien avec la haine et on a amené à se rencontrer. J'ai vu qu'elle a une belle relation avec Coco Argenté. Et Coco Argenté, c'est ma petite sœur. Donc, si j'aime Coco Argenté, je dois faire la paix avec la baronne. Parce qu'une autre fois, on va encore se croiser quelque part. Et tu vois, et chaque fois, ça va faire qu'on va la mettre mal à l'aise. Alors qu'elle est venue pour faire plaisir aux gens. Autant faire la paix. Je trouve qu'elle a eu. Elle est pourtant si jeune. Mais je sais qu'elle est intelligente. Dans notre famille, Coco Argenté, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Il faut que les gens trouvent souvent des idées comme ça là pour rassembler ceux qui ne s'apprécient pas. Parce que la haine ne sert à rien. Nous tous, nous cherchons la vie ici en Europe. Si tu ne cherches pas la vie, tu rentres au Cameroun. Même là-bas, tu vas chercher. Comment tu fais pour te nourrir si tu n'as pas le cap? Enfin, un cap très sérieux. Donc, c'était une très bonne idée. Et j'ai vu que Lolita même a apprécié. Et ce que Lolita ne sait pas, et je sais qu'elle sait, moi, je suis ami avec son ami depuis des siècles. C'est ça que je dois dire, non? Je suis ami avec son ami, Morène. Morène, c'est ma du poto. Nous, on s'apprécie, on s'aime beaucoup. Morène, la belle Kenyane, là. It is my best friend. C'est mon ami, on s'apprécie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de parler. On s'aime beaucoup. Donc, elle est amie avec une femme qui est mon amie. On devrait faire la paix. Ça ne fait pas de mal. Et j'ai vraiment apprécié. Parce que quand elle avait dit qu'en Suisse, on va me verser de l'eau, je dis, mais un jour, quand tu es en Suisse, elle a dit ça sans savoir que ça peut me toucher psychologiquement. Attends, moi je pars en Suisse pour faire l'ambiance, pour faire des petites courses, et je marche en ville, et puis quelqu'un va me dire, verse l'eau. C'est pas des bonnes choses. C'est mieux que j'entre en Suisse maintenant, sachant que j'ai fait avec la paix avec elle. Elle habite là-bas depuis. Hein. Tu peux pas faire le combat avec quelqu'un qui habite depuis. En fait, comme on a dit. J'étais en train de vous dire que fallait que je fasse la paix. Je suis pas, contrairement à ce que vous pensez, je suis une personne de famille. J'aime la famille et je suis l'aîné. Mon discours t'a fait pleurer hier. Oui, j'ai dit que je suis une maman et que je pardonne. Et les combats, je les ai gagnés. Parce que quand je regarde le nombre de femmes avec qui je me suis engueulée sur Internet et je suis toujours debout, ils ont dit qu'ils me mettent en prison, ils ont dit qu'ils m'humilient et je suis restée sur Internet. J'ai gagné. C'est pour ça qu'on m'appelle Wolominga. Mais je commence à me fatiguer. Je commence à me fatiguer. Donc, il faut que j'arrête tout ça. Ça ne sert à rien, les défis.
Ça ne sert à rien de se lancer les défis. Il faut prendre des résolutions dans la vie. J'ai beaucoup souffert du harcèlement. Mais je crois qu'il faut apaiser. Parce que dans la vie, tout le monde ne comprend pas. Moi, j'étais à l'école. Quand je suis en face des personnes qui ne comprennent pas, je dois leur montrer que moi, je comprends, je connais la vie. Parce que tout le harcèlement, là, ça sert à quoi? Oh, j'ai volé les bonbons. Elle qui m'avait dit que j'ai volé les bonbons, c'est avec elle que j'ai parlé hier, non? Donc, c'était seulement le sabotage pour m'intimider, pour que je ne vienne plus sur Internet. Donc, comme moi, je connais la vie, je pardonne. Je suis l'aîné, j'étais à l'école. Je ne dois pas faire comme une enfant, je pardonne, la vie continue. On a les mêmes amis. J'étais même la femme de son frère. Lolita, elle a mangé chez moi. Mais c'est son frère qui avait dit que insulte là-haut. Parce qu'on ne sait jamais. Je n'ai pas compris l'acharnement. Et pourtant, je l'ai vu la nuit. C'est la même Lolita que j'avais vue chez moi. Elle était toute gentille. Mais quand elle était nerveuse sur Internet, je me demandais, il y a eu quoi? Il y a eu quoi?